Eh bien, salut la famille, je me présente. Je m'appelle Soggy Walidiouf, deuxième du nom. On m'appelle aussi Gis, sinon aussi on m'appelle Soggy Sogoud dans le milieu. Donc Jean-Paul, en fait, c'est quelqu'un d'assez cool avec qui, en fait, je pourrais dire que je trouve pas mal de similitudes avec ma personnalité. C'est quelqu'un qui est professionnel, qui est ouvert d'esprit. À vrai dire, il est infirmier, il est à la recherche d'une copine, il est amoureux du personnage de Assitan pendant que le personnage de Aïcha est un petit peu en train de lui courir après, on va dire, ce qui est intéressant. Je trouve que parmi tous les personnages de la série, c'est celui qui est le plus proche de ma façon d'être, on va dire. Je pense justement que le côté positif de cette série traite justement des sujets qui sont assez tabous dans nos communautés. Et je pense que ça peut amener quelque part une prise de conscience, que ce soit au niveau du planning familial, que ce soit au niveau des mariages forcés, des grossesses qui concernent les jeunes filles, au niveau aussi du côté professionnel de pas mal de personnes au niveau du cadre hospitalier. Donc je pense que ça peut amener un côté positif dans justement tous les différents pays et tous les endroits qui pourront montrer la série. J'ai la sœur d'une amie qui a écouté sa famille, qui voulait qu'elle ait un accouchement traditionnel qu'elle a fait au village et que ça s'est mal passé. Elle a perdu l'enfant, etc. et elle le regrette jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense d'une certaine façon que si certaines jeunes filles voient ce programme, elles pourront en quelque sorte comprendre l'importance de pouvoir être bien traitées dans des bonnes conditions, dans des hôpitaux, par des vrais professionnels qui prennent leur travail très au sérieux. Car la santé n'est pas un jeu. Avoir un enfant est, je pense, une étape importante dans la vie. Et voilà quoi. Moi, c'est ma première expérience en tant qu'acteur, ce qui fait je n'avais pas l'habitude d'être devant la caméra, je travaillais avec des professionnels, ce qui était quand même assez stressant, etc., sur, on va dire, les premiers jours. Mais très rapidement, ils m'ont intégré dans la famille, m'ont expliqué certaines choses que je devais faire, certaines choses que je ne devais pas faire. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe qui a franchement été extraordinaire, ce qui a rendu l'expérience vraiment, vraiment très agréable. Alors, je vous conseille de regarder la série. Prêtez-y attention et puis préparez-vous pour la deuxième saison, Inch'Allah, qu'on va commencer bientôt. Voilà.